Déjà, ça faisait quelques semaines qu'on n'avait pas eu le rendez-vous habituel du jeudi soir, dont on pourrait dire que c'est un peu le supplice du jeudi soir. Ça vous manquait ? Ça ne manquait pas du tout. Hein. Mais là, je peux vous dire que je suis persuadée que 90% des gens aujourd'hui se demandaient alors qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête ce soir ? Quel nouveau contre-ordre on va avoir ? Est-ce que lundi, on va pouvoir amener nos gamins à l'école ? Et on a un ensemble de mesures. Qui peut dire qu'il a compris exactement là, il y a eu un exposé qui était très clair. Rouverture lundi. Alors, il y a les classes de 3e, des maternelles. Il y a un enseignement hybride. Enfin, en tout cas, pour les départements les plus touchés par le Covid. D'accord. Bah, bravo à vous d'avoir saisi toutes les nuances de la conférence de presse de M. Castex. Mais ce que je veux dire, c'est que. On pensait voir le bout du tunnel. On nous avait annoncé qu'on voyait le bout du tunnel dans pas très longtemps et on pouvait espérer, avec les annonces sur l'ouverture des terrasses, que certaines mesures allaient être levées. Je pense notamment, par exemple, au couvre-feu. Ça fait 6 mois qu'on a un couvre-feu. Mmh. Est-ce que vous connaissez un autre pays de l'Union européenne qui a un couvre-feu à 19h ? C'est pas le cas. Moi, vous mes collègues. Vu les chiffres, c'est pas très encourageant non plus. Hein. On est toujours même entre 30 et 35 000 nouveaux malades. Mais je suis d'accord. Et entre 250 et 400 morts. Hein. Enfermer les gens chez eux à partir de 19h, alors même que le soleil y brille en ce moment à partir de 19h, il va continuer de briller de plus en plus, je l'espère. Est-ce que c'est la bonne solution que d'enfermer les gens chez eux alors qu'on sait que le virus se diffuse beaucoup moins à l'extérieur, se propage pas du tout. Vous auriez aimé un couvre-feu à 20h, 21h. Vous savez, hier en Allemagne, il y avait des images de manifestations devant le Bundestag qui a été très animé. Parce qu'il était proposé qu'il y ait un couvre-feu à 21h. Ça a scandalisé tout le monde. Finalement, ils ont acté un couvre-feu à 22h, un couvre-feu national. Ça crée énormément de débats. Les Français sont trop disciplinés. On dit souvent, j'entends dire le président de la République. Mais attendez, les Français sont trop disciplinés par rapport aux Allemands. Je dis que les Français subissent, pâtissent, beaucoup plus que leurs voisins européens. Parce que quand on entend M. Macron qui dit « Regardez, en Allemagne, ils subissent un confinement depuis plusieurs mois, alors que vous, non ». En Allemagne, ils ont un couvre-feu, là, depuis hier seulement, et à 22h. Pareil pour l'ensemble des pays autour de nous. Il n'y a pas un seul pays, madame, où vous avez un couvre-feu à 19h depuis 6 mois. Ça a été depuis la mi-octobre dans certaines agglomérations, depuis la mi-janvier dans tout le territoire national. Certaines agglomérations avant, c'était quand même... Donc il aurait fallu aller plus loin. Les entreprises, elles peuvent reprendre. Mais s'il n'y a personne qui a de l'argent pour aller acheter les produits qui sont fabriqués et vendus par les entreprises, on ne va pas aller loin. Il y a eu beaucoup d'épargne, madame Chouévier. En faisant abstraction des questions de justice sociale, économiquement, c'est pas viable. Il y a eu beaucoup d'épargne, mais il y a eu énormément de gens. Là, on parle du chômage partiel. Il y a eu énormément de gens aussi qui sont tombés dans le chômage, qui ont eu un CDD qui n'était pas renouvelé. Vous avez et vu comme moi. Vous avez vu qu'il y a tous les secteurs protégés, c'est-à-dire. Non, mais les conséquences. Non, mais écoutez, si vous me permettez, si vous permettez que je termine, je vous laisse la parole juste après. Mais d'accord, mais juste, j'étais en train de dire une phrase, juste permettez d'aller jusqu'au bout de mon propos. Ce que je suis en train de dire, c'est que là, il y a une vague, en fait, au-delà du Covid, même si la troisième vague, elle se termine, la vague de l'urgence sociale. Et je crois que c'est aussi la priorité d'un gouvernement de s'en occuper. La réforme de l'UNEDIC, est-ce qu'il y avait urgence ? C'est encore autre chose. Les aides sociales, vous parlez des aides sociales. Est-ce qu'il y a urgence à la relancer ? Les aides sociales baissent avec le déconfinement, voilà. À partir du moment où le gouvernement garantit, par exemple, aux restaurateurs qu'ils ont le droit de réouvrir et donc d'accueillir des clients et donc de refonctionner, ils font pas l'aumône, c'est pas l'auberge espagnole qu'ils attendent. J'étais au téléphone cet après-midi avec un ami restaurateur qui a un resto dans le 20e arrondissement à Paris. Il me dit, mais je sais pas si tu sais comment faire. J'ai des dettes qui s'accumulent depuis 5 mois. Ils demandent qu'à travailler, ces gens-là. Ils voudraient travailler, mais étant donné qu'ils peuvent pas parce que le gouvernement a décidé que ils devaient rester fermés, que s'ils rouvraient, après 19h, de toute façon, on va au resto quand si les terrasses réouvrent, mais qu'à 19h, on doit être chez soi. On va au resto pendant qu'on travaille à 15h l'après-midi, on fait une petite pause. Madame Chaibi, pour le coup, je trouve que vous avez raison. Simplement, encore une fois, comparons ce qui est comparable. Il faudra faire preuve de discernement par rapport, vous le dites, à l'urgence sociale, on est bien d'accord. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis maire d'une ville de Poissy où il y a 854 agents. On a aujourd'hui quelques 500 agents qui sont en télétravail ou qui sont en autorisation spéciale d'absence. Ils ont 100% de leur traitement. C'est exceptionnel. 100% de leur traitement. Mais vous vous rendez compte? Non, mais voilà, ça se passe où en Europe? Mais c'est formidable. Et les étudiants, vous savez, en Europe, dans toute l'Europe, les images, jusqu'au New York Times, hein, même au-delà de l'Europe, aux États-Unis, les images. Chaibi, vous êtes non, mais écoutez, je veux juste mettre en balance une autre image qu'on a regardée dans toute l'Europe et au-delà aux États-Unis. Hein. Les étudiants qui font la queue devant la l'aide alimentaire. Ce sont des images. Moi, on m'en parle dans toute l'Europe. Il faut mettre en place des choses qu'on met aussi en place dans nos collectivités. Moi, je vous propose une chose, c'est que s'il y a besoin d'argent, parce que je conçois qu'il y a énormément
énormément d'aide publique qui a été donnée, c'est que peut-être il y a un problème budgétaire. Dans ce cas-là, pourquoi on ne met pas à contribution les profiteurs de crise? Après la Première Guerre mondiale, il y a eu une taxe sur les profiteurs de crise. Ceux qui avaient fait des profits exceptionnels en période de guerre, ils ont été amenés à contribuer, à mettre la main à la poche. Pourquoi on ne va c'est pas taxer qui les profiteurs de crise? Par exemple, Amazon ou le e-commerce, qui ont explosé les bénéfices. C'est clair comme ça. Par exemple. C'est un... bon.